ça comme ça. Parfait. Je vérifie. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Tout est OK. Ce soir, je continue un petit peu du Metroid, mais cette fois-ci... Attends, j'ai oublié un truc. Hop là. Voilà, c'est mieux. Je reviens. Ça va pas trop mal. Pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe? Fatigué? Froid? Enrhumé? Moi, j'ai le nez qui se bouche. Hop là. Donc ce soir, ouais, donc Metroid, que j'ai acheté en démat sur la Wii U. Salut, Jess. D'ailleurs, ça pique un peu les yeux. Je sais pas si je joue sur l'écran de la Wii U ou sur l'écran de... On verra. Ouais, non, ça reste lisible. C'est quand même plus adapté, là. Hein. Il faudrait un remake HD de ce jeu. Ça serait peut-être mieux. Jouer, voilà. Ah, je m'étouffe. Metroid Dread, d'ailleurs, que j'ai fini, mais que je n'ai pas... J'avais enregistré la fin. Il faut que je la mette sur YouTube. Début du jeu, c'est parti. Je vais pas regarder... ouais, en normal. Ah, à l'époque, il y avait un mode difficile. Il y avait un mode facile. Je pense que je vais jouer en regardant l'écran de la tablette. La planète Zébès, c'est ici que je vivais autrefois, avant la guerre, bien avant que le mal hante les cavernes du dessous. C'est ici que j'ai livré ma première bataille, ma mission zéro. Voilà, ça commence comme ça. Attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est le son, ça... ça change, hein? C'est là qu'on voit que ça a bien vieilli, ça a sacrément vieilli comparé à... à Metroid Dread, hein? La portée du canon est nulle, c'est clair. Il y a une carte, je sais pas si je fais start. Ouais. D'accord, donc ça, on voit déjà les points de sauvegarde. Je vais aller voir de l'autre côté ce qu'il y a quand même. J'imagine que quand même à la base, il y avait ça sur NES. C'était un truc assez incroyable, je pense, non? Ah là, la bullborfing, on l'a dès le début quand même. Appuyez deux fois sur bas pour franchir les passages étroits. Par contre, elle saute pas, la bullborfing. Comment je la quitte? Ah. Alors, au début, je voulais voir la version... NES, donc il y a la version NES qui est disponible sur le Switch Online. Mais franchement, c'est... ça pique encore plus les yeux que ça, quoi. C'était pas évident. Ah! Ah! D'ailleurs, la version NES, elle ressemble vachement en vrai à Zelda 2. Ah ouais, de toute façon, je pouvais pas passer du coup, là, par là.
Je sais pas si vous vous souvenez, Zelda 2. Bah graphiquement, Zelda 2 et Metroid, c'était très proche. Bah alors? Ah! Non! Ah oui, donc avec L, je peux viser en diagonale, d'accord. Et avec ZL, ça fait rien. Ah, voilà. C'est mon objectif, ça ? Brinstar. Les portes, elles ont pas changé les portes, mais elles sont plus. Sauvegarder. Ouais. Bon, vous me raconterez ce qu'il raconte Macron, en fait. Hein. On peut lui sauter dessus? Non, on peut pas. Quel gymnaste! Ah oui, et là il faudra les bombes, c'est ça? Il n'y a pas le tir chargé. Troisième dose obligatoire pour la validité du pass sanitaire pour les 65 ans à partir du 15 décembre. Ah oh, merde, il faut que je rappelle mon père. Ce qui rentre à l'hôpital le 13 dé... Ah mais non, ça va, il rentre à l'hôpital le 13 décembre, pas besoin. Enfin, il y sera du 13 au 15, je sais pas comment ça va se passer. Faut vous poser la question. Jess, je suis pas vieille. Le rayon long, ah. Parce que c'est la taille qui compte. Ah oui, mais si je peux. Je peux? Ah, je me débrouille pas trop mal, ça va pour moi. En tout cas, Metroid Dread, il est beaucoup plus speed que là, hein, c'est... Ça n'a rien à voir, hein. Carte, s'il vous plaît. On va quand même explorer ce côté-là, non? Oh, de la lave. Ah, j'aurais pas pu passer en vrai. Comme si une troisième dose, franchement, ça allait suffire. On peut pas le casser, ça? Ça gêne, vous êtes au milieu. Bon.
Ah si, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. Ça va marcher là? Mais non, c'est trop loin. Alors, je suis obligé d'aller par là ou alors? Voilà, je peux pas revenir en arrière. Je suis obligé d'aller par là, ça c'est sûr. Ça disait, attends. Rayon long permet d'atteindre une cible éloignée. Appuyez sur L plus B pour tirer un billet. Oui, ça je le savais, ok. Elle s'accroche pas? D'accord. Tiens, on la prend après alors. Je me souviens plus. Ah! T'étais pas là, toi, tout à l'heure? Nouvel objectif. Donc le jeu, j'ai vu qu'il fallait à peu près 6 heures pour le terminer. Donc je pense donc on va faire ça aujourd'hui, de dimanche, mardi prochain. Et après on passera à autre chose. Sur la bonne route là? Oui. Il meurt hein? Il meurt toujours pas. Hein. Rouge, je peux pas les ouvrir. Ah. Il est beaucoup plus vertical que Dread. Je sais même pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Ouais, on verra. Alors ça me dégoûte un petit peu parce que j'avais l'idée de faire un... Bon, je peux pas monter là? Non. Nouveau pouvoir à découvrir. J'avais dans l'idée de faire ce Metroid vraiment quand Metroid Red est sorti en vrai. Et ça me dégoûte parce que... quand T-Star, il a eu la même idée en fait. Et c'est pareil, je voulais faire les Zelda Oracle, et puis il a eu l'idée aussi. J'ai l'impression qu'on a les mêmes idées, c'est fatigant. Et j'ai pas envie qu'on se dise, ouais, bon, personne me connaît comparé à lui, mais... Faudrait pas que quelqu'un qui connaisse Antistar dise, ouais, il copie en fait. Ah sérieux, il repousse l'âge légal à la retraite? Bon, ben il sera pas réélu en 2022, hein. Quoique si. Ça va, putain. Ah, c'était sûr. Putain, c'était sûr. Ben oui, faut bien rembourser tout l'argent qu'on a dépensé, là, hein, pour maintenir à flot tout le monde.
chances qu'il va me tomber dessus là. Les missiles, ouais. R et B pour tirer. Ah, d'accord. Ouvre les portes rouges. Et là, je peux pas passer. Hop, hop, hop. Ah! Non, j'en ai plus. Ah, il me laisse partir? Merci. Quand je vois sa tronche, j'ai envie de jeter une Wiimote dans la TV. À ce point-là? Quand je le vois, quand je l'entends. Ah, ouais. Ah mais j'ai plus de missiles. Je fais comment? Ah voilà, merci. J'aime pas trop ces machins là qui me grimpent dessus. Comment je m'en débarrasse? Je sais pas si ça me bouffe de l'énergie ou des conneries. Ah merde, il a pas sauté. C'est des bébés Metroid, c'est ça? Ils me pompent ma vie. Saute sur place pour voir. Bah ils sont partis en fait. Quand je quitte la pièce, ils... Bah, il y avait rien. Non, c'était bien par où qu'il fallait passer. Donc la retraite pour moi ça sera 80 ans si ça existe encore d'ici là. Il va construire des centrales nucléaires. C'était bien la peine de fermer, d'enfermer. Ah, ça c'est bien ça. Ah, c'est pas juste. Après, alors ouais, c'est ce qu'il parlait là, peut-être les mini-centrales. Donc des centrales de plus faible puissance et à en construire à plusieurs endroits. Et ouais, à la rigueur, faut voir. Sûr que bon, bah, le nucléaire, on sait, ça crée des déchets qu'on sait pas ce qu'on fera plus tard. Mais pour le moment, c'est mieux que des centrales à charbon, quoi. Jauge d'énergie accrue. Faut juste espérer que... Que dans... Dans des années futures...
on arrivera à recycler les déchets nucléaires. Ce qui est peut-être, possible. Hein. Pour le moment, non, mais peut-être que plus tard, ouais. Ouais, c'est bon. C'est pas en haut qu'il faut que j'aille. Sauvegarde. D'ici 10 ans, la retraite, ça ne les extra plus. Ouais. Oui, franchement, de plus en plus... je me dis ça. Parce que peut-être que d'ici 10 ans, le monde n'existera plus. Entre le réchauffement climatique, les futures guerres qui se préparent... Un bull morphing pose une bombe avec B. Mais je peux toujours pas sauter. Attends. Et là? Ouais. Il est content, il devient président de l'Europe dans 2 mois. Hein? Ça, je suis pas au courant. C'est quoi cette histoire? Président de l'Europe. Bon, je lirai un résumé de toute façon. Ah, des saloperies de Metroid! D'accord, c'est comme ça qu'on les tue. Plan, on descend. Pourquoi elle est verte, celle-là? Donc on redescend. J'étais pas venu ici? Terminal de carte. Ah! Okidoki! M'en refaire. C'est où qu'il y a un chemin qui descend? Ah, c'est plus loin. Ah, c'est là. Yahoo!
ouais, c'était ça mon objectif. Je croyais qu'il était plus haut. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est fini. Ok. Il m'a pas fait un raid, méchant. Ok, donc il faut descendre. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas si ça vaut le coup de remonter. On va suivre l'objectif, hein. Ah, et peut-être qu'eux, ils craignent les missiles. Non. C'est revenu ce truc. Oh, je peux passer par en dessous. Ah, il m'attaque. Ils sont chiants eux, ils veulent pas mourir une fois pour toutes. Salaud. Ah, la bombe qui réapparaît. Bah, je sais pas si je l'aurai celui-là. On y reviendra peut-être ou pas, on verra. Oui, parce qu'au début, je me souviens, d'abord il y a les bébés Metroid, puis après il y a les Metroid plus gros, et puis ainsi de suite. Et là, pour le moment, c'est les bébés. Ouais, c'est là qu'il y avait des chemins. Ah, il va revenir lui. Je suis nul, hein. J'arrive pas à viser. Aïe. C'est là qu'il fallait des bombes, non? Ouais. Oh là là. Oh là là. Mag, dis-moi, toi qui es une experte. C'est quoi les Pokémon différents entre... Pokémon... Perles et diamants. Quoi que je pourrais regarder en même temps, mais... Hop là, différence.
Diamant, perle. Il faudrait peut-être que je regarde diamant scintillant et je vais éternuer. Non, c'est bon. C'est passé. Bon, je regarderai peut-être plus tard. On va continuer à jouer. Hein. Ah, il y avait un truc là. Sauvegarde. D'abord, sauvegarde. Fait chaud ici. Ça fait loin là, je vais pas y arriver. Ah, c'est limite. Mais ça servait à rien. Ah, parce que moi, à chaque fois, quand j'ai acheté les Pokémon, je regardais vraiment la différence entre les jeux. Entre les différents Pokémon, je me dis, bah, celui-là, il me plaît plus que... On dirait des tuyaux à la Mario, c'est marrant. Je l'ai même pas précommandé encore le jeu. On va où là? On retourne sur Crateria? Non, c'est encore une nouvelle zone. Oula, mais moi c'est à Morfer que je voulais aller. Zone qui redescendent. Changement d'ambiance en tout cas. Ah non, c'est de l'eau. Ah. Les ruines Chozo. Je crois que je me suis éloigné de mon objectif. Hein. Objet inconnu. Analyse non concluante. Objet incompatible. Ok. Comment je fais pour monter là maintenant? Oh, ça marche! Au secours! Je suis coincé dans l'eau! Comment je fais? Ah.
J'ai paniqué. Je me suis dit, je vais me noyer, je vais me noyer. Apprends à nager. Merci. C'est comme la barre de fer, mais celle-là, c'est une poigne. Ça sert à quoi? Permet d'agripper les... Ah, voilà! Permet d'agripper les rebords et les corniches. Comme ça? Ah ouais, elle peut viser, elle peut tirer. Ouais, mais là, elle est coincée. Tout va bien. Vers l'infini et au-delà. Ah, mon vaisseau. Voilà. Allez, on quitte la planète. Adios. Ah non. Bloc vitesse. Il y en a là aussi. C'est vrai. En fait, là, ça servait juste à obtenir ça. Peut-être. Bon, ben, on retourne à Morfer. Finalement, c'était bien par là qu'il fallait aller. Waouh, 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 waouh. Les temps de chargement, ils sont moins longs que sur Metroid Dread. Hein. Super Mario. Oh
On va retourner là où il y avait le point de sauvegarde. Hein. Pas de, de secret là. Je sais pas. Non, on peut pas rentrer. Fallait que je teste. Quand tu penses qu'actuellement, il y a des jeux en pixel art qui sont moins réussis que ça, c'est fou. Hein. Sortir mais bon. Du coup, est-ce que je peux récupérer ce qu'il y avait là? Je sais pas. Non, je peux pas remonter de toute façon, donc je suis coincé. Quelque chose me dit que ça, à un moment, ça va disparaître. Est-ce que vous l'aviez fait, ce... Ah, il m'a bouffé à travers. Ce Metroid à l'époque, ou pas? Celui-là, non, d'accord. C'est quoi l'objectif? Ah, c'est par là alors. J'ai surtout fait celui sur Super NES et le 3DS, d'accord. Le 3DS, c'était Fusion, c'est ça, je crois. Le rayon de glace. Déjà ? Franchement, bah, c'est vrai qu'il est court, hein, mais on obtient les items très rapidement. On peut marcher sur un ennemi gelé. Aha. Ah, et c'est comme ça que je vais remonter, en fait. Voilà. Et là, l'autre que j'ai acheté, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est celui... Ah mince, c'est celui sur Super NES aussi, je crois. Hmm.
Voilà là. Ah oui, mais il est trop bas là. Ouais. C'est chaud. Ouais, je sais plus, le deuxième que j'ai acheté, c'est le deuxième qui a un virtuel console sur la... Prochain objectif, Fade. Génial. Je suis content. Ah, il passe au travers. Ah, je me suis loupé. Attends, si je fais comme ça. Zut. Mais elle s'accroche pas ? Ça marche pas aux ennemis, non. C'est bon. C'est esquive. Chou. Ok. Ok, donc il va falloir que je redescende en fait tout simplement. Là on sent... Ah attends, il y a un chemin là. Ah mais il fait trop chaud, je meurs. Oh, la vie elle tombe vite en plus. Stosh. Méchant. Là, je fais n'importe quoi. Mangez pas là les gars. Ah mais c'est pour le grappin ça. Ouais ok. Enfin pour le saut... Pas le grappin, le sauvrier. C'est là que je dois aller au fait. Craid. Comment je fais pour aller à Craid?
même pas redescendre. Ah voilà. Donc non, c'est bien, bien par là-haut. Ok, bon ben on remonte. Désolé. Vu que maintenant je peux m'accrocher à certaines parois, je devrais trouver un chemin vers le niveau du début, je pense. On va essayer de revenir vers le début. Ah! Elle fait même les mêmes mouvements que Link quand il se fait toucher. Tu sais, le petit saut en arrière, là. C'est exactement pareil, c'est rigolo. Mais il me semble qu'il y avait un truc où il y a... Je crois, je suis pas sûr. Mais il me semble que le Zelda 2, à la base, il part du... De sprites non utilisés dans Metroid, ou l'inverse. Je sais plus c'est lequel qui est arrivé en premier. Non, mais c'est Metroid qui est arrivé en premier. Et il me semble qu'ils ont fait Metroid, et ils ont dit, ça on le récupérera pour un prochain jeu, et puis c'était Zelda, je crois. Zelda 2. Jamais entendu. Ou alors peut-être que j'ai rêvé, je délire complètement, je sais pas. Nintendo recycle tout, même leur console. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recyclage, de récupération. Ah, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton. Bah c'était pareil sur Game Boy. Sur Game Boy, Zelda Link's Awakening. Il y a plein de personnages de Mario et de Kirby. Il y a les personnages de Mario et de Kirby. Parce que il fallait faire le jeu à la va-vite. Et puis ils ont dit bah c'est plus simple de récupérer des personnages déjà existants que d'en reprogrammer d'autres. C'est pas grave. Ah, c'est chaud. Mais monte, vas-y, fais pas semblant. Attends, là j'étais là. Ah.
Je suis sûr que il faudrait que j'aille battre Craig en premier, mais bon. L'échéance, c'est tendu. Ce putain de mouche, elle m'empêche de sauter. Oh, les conneries. Oh, saloperie. Ouais, génial. Me faire chier, on va descendre. C'est où, Craig? Tu vas pas. Demain le week-end, je sais pas vous. Je peux avancer là. C'est pas vous alors. Ah, par là. Demain, après mes jours. Ah oui, à l'école, ils font pas le pont. Eh oui. Ah, mais voilà. Je vais trouver le chemin. Eh ben non. Y a pas tout, là. Il manque des trucs. Bon, on verra. Carte de Craig. Ah, donc là, Craig, c'est carrément une zone, en fait. C'est pas qu'un boss. Ah oui, bah je reconnais ça. Fait le pont, donc peinard. Même là, c'est trop, hein. Ah, trop loin. Ah, mais je suis nul, en fait.
Moi, la plateforme, ça a jamais été mon truc, hein, en vrai. Je me fais pas avoir cette fois-ci. Ah non, je peux pas passer par là. C'est pas où que je dois aller alors. Ah punaise, fallait que j'aille de l'autre côté là. Alors d'abord on tue les mouches. Et est-ce que je vais aller assez vite là? Je vais mourir encore. Ce carnage. Bon, c'est pas par là. Maintenant, j'en suis sûr. Tout à l'heure, j'hésitais, maintenant, j'en suis sûr. C'est par où, là? Ça y est, ça commence. La partie Metroid commence vraiment. Je suis perdu. T'es arrivé. Ok. Et mine de rien, ils ont presque gardé les mêmes commandes. R pour armer le missile. Et elle, normalement, enfin, dans Metroid Dread, ça servait à faire la visée laser high. Bon, là, c'est juste la visée diagonale, mais... Ah, je l'ai raté, ça. Je galère un petit peu. Voilà. Sauvegarde peut-être.
sauvegarde alors, c'est pas grave. Bonne soirée, Jess. Bonne nuit. À la prochaine. Bah. Ouais, c'est, à quoi il sert ce chemin? À jeudi, on fera du Smash Bros. Jeudi soir. Il y a un chemin sous la lave, d'accord, c'est très bien, c'est tout ce qui m'intéresse. Là, il y a une porte là. Voilà. Zako. Ça sert à quoi? Je crains toujours le... Ah, c'est un interrupteur, ça a activé des trucs rouges, d'accord. Mais ça, je peux pas le récupérer, c'est triste. Ah. Voilà, ok. Ah zut, les missiles. C'est pas grave. Donc j'imagine que les autres rails avec des interrupteurs rouges sont activés dans toute la zone. C'est le verre de tout à l'heure, mais non, c'est un autre, celui-là. Celui-là, c'est un verre de lave.
galère, mais alors d'une force. Jamais tu meurs. Ça y est. Adios. Anamphoros. Cracher sur l'énergie quand même, hein. Ah, du coup, oui, Céline, elle stream pas. Ouais, j'étais pas là, Mag, mais Céline a dit qu'elle... pas qu'elle arrêtait le stream, mais qu'elle allait mettre une grande pause sur le streaming. Donc on ne doit pas la revoir pendant... Elle a dit qu'elle streamerait de temps en temps à l'occasion sans prévenir. Génial. Donc en gros, si t'es pas accroché à Twitter pour avoir pour savoir quand est-ce qu'elle arrive, ben tu le sauras pas. Ah. Non, si je peux l'avoir, celui-là. Ça va faire du bien, ça. Ça va me rassurer un petit peu. C'est quoi que j'ai obtenu déjà comme pouvoir? Ah oui, les interrupteurs. C'est pas un vrai pouvoir, mais... Bah du coup, faut explorer. Il y en avait, là? Oui, il y en a. Ok. Bon, j'imagine que là, il y a encore une connerie comme dans Metroid Dread où il faut courir, charger l'énergie, se téléporter, enfin, se transporter avec le treuil. Ça va être chiant. On va aller tout droit là-bas. Parfait. Sauf que... Attends. Voilà. Parce qu'il y avait plein de blocs normalement. Bon, on va éviter. C'est un bloc secret, ça. Et il est plus gros, lui.
tout ça pour des missiles. Bon, c'est mieux que rien, c'est sûr. Là, on peut repartir. Je suis sûr qu'il y a un truc caché en dessous, là, sous la lave. On voit qu'il y a une zone grise. Donc il faudra encore revenir. Là. Pour le 100% du jeu. Même si elles sont en 8 bits, les musiques elles sont bien quand même. Ah oui, non, mais là j'y suis déjà allé là. Pourquoi je suis revenu ici? Par où je dois aller? Lui s'enlève. Ah ah. Quel intérêt de passer par là? Dites-moi. Ça. Là où il y a un truc bleu, c'est pour les dire qu'il y a des items que j'ai oubliés, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. D'accord. Je crois qu'il faut que j'aille par en bas, mais... Ah! C'est ça que j'avais raté, en fait. Je peux être en boule? Je sais pas. Attends, j'ai une idée en fait. Voilà. Donc ça, je le détruis avec le missile, mais j'ai pas de, je peux pas accéder au missile là.
c'est forcément d'en bas que j'arrive. Je tourne en rond. Ça y est, ça commence. Je peux pas changer de carte là ? Select. Si à côté du vaisseau il y avait une zone que j'avais pas explorée. Là, Cateria. Il y a un truc pour aller à Cateria. Il y a un chemin là-haut que je suis pas allé voir. En fait, il y a plein de trucs que j'ai pas visité qu'il faudrait. Je pense qu'il faut que je retourne là-haut. D'être en boule là sans voilà. Bon, c'est pas grave, je vais poser la question plus tard. Ah, mon cœur, attends, j'ai une autre idée. Ah, ils sont revenus! Je suis pas balèze. Donc il faut qu'en plus que je me fasse larguer au bon endroit. Comment je fais pour me faire larguer ? Thank you.
je ne peux pas t'aider. Ça y est, c'est bon. Tout va bien. Je m'en suis sorti. Retour là-haut. Allez là-haut. Par là-bas, je crois que ça sert à rien d'y aller. Donc il y a un chemin, c'est ça? Ah oui, mais c'est le tunnel d'arrivée, oui, ça sert à rien d'y aller. Ça, je crois pas. Faut que j'aille tout en haut. Ouais. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est là? Non, c'est plus haut. Si, je peux passer par là de toute façon. C'était il n'y a même pas 2 heures, je me souviens même plus que c'était de ce côté. Ah oui, ça y est, je me souviens maintenant, je peux pas passer. Oh bah, demi-tour. Il pourrait marquer qu'il y a un truc qui bloque. Plus qu'une porte. C'est pas vraiment une porte, ça. Là, qu'est-ce que j'avais raté là? Là, il faut que je monte tout en haut. Je vais peut-être sauvegarder, ça fait un petit moment. Hein. Toujours pratique.
Bon, les fans d'Animal Crossing de dimanche, ils sont pas venus, hein. Ils sont moins fans de Metroid. Tiens, il y a un bug d'accélération. Par là. Je sais, par au-dessus. Missiles, c'est toujours bon à prendre. Ah, j'aurais dû arriver de l'autre côté. Ah zut. Bon, on refait le tour alors. C'est dangereux là. Mais bon, c'est juste pour récupérer de la vie, c'est pas un pouvoir, ça m'intéresse moyen, quoi. Et là-haut, ça mène où, ça? Ok. C'est là où il y avait les mouches. Si on peut appeler ça des mouches. Ah, le retour du... Force, je finirai par t'avoir. Hein.
Ça y est. Le rayon de charge. Ah, c'est... Ah, ah oui, quand même. Ce n'est donc pas rien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Si je t'ai vu. Là, pour en dessous. M, c'est la map. Et oui, j'étais pas monté là-haut. Pourquoi je t'ai pas y aller? Ah, parce qu'il fallait s'accrocher. Voilà, maintenant je peux y aller. Et en plus, il fallait le rayon de gel pour aller plus haut. Et il faudra le double saut aussi, non? Parce que là, je pourrais jamais me... On peut pas s'accrocher aux ennemis, normalement. Bon, ben, ça servait à rien. Je suis revenu ici pour pas grand-chose. Morfer. Ça, c'est Kraid. Norfer. Y a rien à explorer à Norfer. Même pas pour le moment. Crateria. Je vois pas. Là, je peux pas y aller. Je suis perdu. Non, à part... ouais, il y a Kraid. De toute façon, l'objectif, c'est ici. Il y a un truc que j'ai raté quelque part. On va retourner là-bas. Manque la téléportation rapide dans le jeu. C'était pas là que je voulais aller. Toujours ça de prix, mais c'était l'étage en dessous. Ah, allez, parce que j'étais bloqué par le missile là, par le bloc avec le missile. Ça mange pas de pain. Ça, c'est bien parce que ça restaure vraiment tout. C'est pas comme dans Metroid Dread où tu avais des statues pour restaurer la vie, des statues pour restaurer les munitions et une statue qui faisait les deux. Là, il n'y a qu'une seule statue, elle fait tout et ça pose pas de questions. C'est par en bas. C'est par en bas. On va aller voir une petite. Non, allez, on retourne en bas. Eh, c'est quoi ça? Thank you.
Bon, faut pas que je rencontre pour finir le jeu, parce que j'ai que 6 heures pour le faire. Le jeu, il dure 6 heures. C'est plus moderne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret là-bas pour descendre, en fait, dans la colonne? Ah! Et si, il y a bien un truc, mais c'est chaud. Ah. T'as vu cette escroquerie là? C'est un peu en retard là pour passer le truc, non? Ah mais ils réapparaissent pas, donc ça va, j'ai rien dit. Et voilà, je suis au bon endroit. C'est là où j'étais coincé par le truc du missile. Et je suis encore bloqué par le truc du missile. Mais... je fais comment, moi, pour aller là, plus bas? Bon, au moins ils réapparaissent pas, donc je peux passer par là, ça devrait pas gêner. Ah, je croyais avoir avancé et non. Je suis déçu. Faut que je descende, mais comment je descends? Faut arriver d'en haut. Non? Je sais pas, j'en sais rien.
Pas le détruire celui-là. C'est un truc de dingue, hein? C'est pas? Où est-ce que je dois aller? Comment je fais? Forcément une technique pour descendre. Je la trouve louche, mais je sais pas si c'est normal ou pas. Avec ce pilier qui dépasse en plein milieu là. J'arrive de l'autre côté pour détruire ce missile. Mais comment? Oui, t'es bien gentil, mais c'est par au-dessus, c'est ça qu'il faut arriver?
Donc là, j'ai un objet inconnu. Ah. Encore un. Donc ça non plus ça servait à rien. Est-ce que ce jeu ne se foutrait pas de ma gueule un petit peu? Pourtant là j'arrive à détruire un truc que je pouvais pas détruire avant. Ces blocs là je pouvais pas les détruire. Maintenant je peux. J'ai activé un interrupteur, je suis pas au courant. Ça manque le coup de poing là, hein. Voilà. Donc ça veut dire que je vais pouvoir aller... Oui, maintenant celui-là je peux le péter. Alors je sais pas vraiment ce que j'ai changé, mais ça marche. Par contre, le. Ok. J'avais pas prévu ça, mais. Bien la peine d'avoir téléchargé une carte. Bref, de toute façon c'est 21h, c'est 22h, donc on va s'arrêter là. Ça tombe bien qu'il y ait une sauvegarde à ce moment là. Rendez-vous jeudi
Jeudi 20h pour Super Smash Bros Ultimate, où on va se mettre sur la tronche. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Un bon mercredi, ouais. Et voilà, allez, ciao, à la prochaine.